Écris une phrase. Non, j'ai mis un truc sympa, moi. Oh non! Un cube dans un cube et il y a un triangle qui danse. C'est qui le fou, je regarde ça. Ok, bon, on va recopier, hein. Alors, attends, ça, merde, oh, je fais de la merde. Oh, les perspectives rincées, moi j'ai pas trop le temps en même temps. Non, qu'est-ce que je fous, putain! Oh, ces perspectives du ghetto! Bon, voilà, un cube dans un cube, comme ceci, hein, voilà, on a pas trop le temps, alors on fait ce qu'on peut. Et voilà, on met un triangle PlayStation et il y a un triangle qui danse. Comment tu peux faire danser un triangle en fait, fou? Dites-moi vraiment, hein. Et c'est une. Une boîte de nuit. Oh, c'était éclaté. C'était super dur. Ah oh, bah c'est bon, on a déjà fini. Et bah du coup, ça commence. Ah bah ça commence par moi du coup. C'était toi, mec. C'est ça, il est pas trop bien mon personnage. C'est un hibou. Ne faites plus dessiner des putains de vélos, la flemme, je déteste dessiner ça vraiment. Lex devient très gros, c'est moi qui ai dessiné. J'ai pris Call of. Ah oui, voilà. Lex qui prie pour jouer à Call of. Call of. Pitié, 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 EZ. Ah oui, merde, non, j'ai conjugué. Vous pitié, oh là là. Vraiment rien qui va dans ton dessin. Je... L'orthographe, la console, si, moi, y a... Déjà, mes bras, on dirait des lacets, frère. On dirait des lacets. Plié en deux, lacets, je suis une équerre. Aucune motricité dans ses jambes. C'est vrai, genre, là, j'ai un équerre à côté de moi, là. Là, je peux mesurer, j'ai un angle droit, là. Ok, c'est parti. Allez, on se bute. L'Alsace dans toute sa splendeur. Ah là, il veut représenter son patrimoine. Eh ben écoutez, on va faire des belles vallées, des contrées vertes alsaciennes. Putain, c'est le fond d'écran Windows. Ok, allez, on fait des montagnes à l'arrache, allez, voilà. Non ! Ah, j'ai trop le souci du détail, faut pas m'en vouloir. Ah, vas-y, je me donne trop pour des dessins de merde. Ça va grave me gaver si j'ai pas le temps, j'ai passé trop de temps sur les montagnes. Non ! Non ! Non, laissez-moi une seconde ! Une petite seconde ! Une petite seconde ! Je veux juste faire le panneau, allez, vite. Un nom de patois alsacien. Niederschwadelschflum. Voilà, ça c'est typique. Et vous me demandez de dessiner des trucs bizarres. Je me suis un peu beaucoup fait bolos, j'ai l'impression. Il y a eu beaucoup de Stronex dans ce Gartic Fall. Ouais, c'est très sûr que c'était toi, ça pouvait être personne d'autre. La gueule de Stronex. Je voulais faire les panneaux typiques. Niederschwadelschflum. Attends, j'ai envie de revenir sur ce panneau qui est très représentatif de l'Alsace. Il est pas assez grand le panneau, t'aurais dû le faire beaucoup plus large. Ah non mais je l'ai fait à la rage à la fin, en mode idée de dernière minute, mais idée en mode faut trop le faire, c'est ça qui manque, c'est la cerise sur le gâteau quoi. Brutman. Genre c'est Brutman. Oula. Brutman. C'est à ça que ressemble Brutman pour Karim. Ah non mais je suis con, j'ai lu Brutman, pas Brut, oh. Le mal. Il ressemble à ça. Eh, je trouve qu'on parle beaucoup de Brutman mais pas assez de Strong Expert. Pourquoi j'ai du cheddar dans la gueule. Mais c'est l'armure jaune de Iron Man, genre. T'es constitué de ketchup et de cheddar. Son logo de super-héros, c'est juste appliquer de la moutarde sur le ventre. Je suis gras, j'ai envie de me laver. Un jour de ses proxénètes. Oh, trop chiant, Disney. C'est lui qui a eu ça. Oh, c'est ça. Une racaille avec un marteau vert et une balançoire rose. Attends, c'est une balançoire, ça? Non. C'est un toboggan? Non, c'est mais non, c'est un talon, vous êtes con, c'est un talon voilà. De pute. Merci, Théo. Fred Rich Nietzsche qui commande un crack. Oh, chef. Voilà, c'est ce que j'espérais, c'est que Freddy Schnitch qui appelle le kebabier chef. Oh, bien joué Marine. Oh chef, oui. Oh chef, tu mets un sauce andalouse. Et Théo, qu'est-ce qu'il nous a réservé? Un monster. C'est moi, c'était vrai, c'était moi ça. Je suis tombé dessus. Les trous noirs. Un Monster Munch qui parle philosophie. Ah non. Mais d'où tu vois de la philosophie? Il y a des formules de maths. Ah merde. Mais c'est un gâteau d'anniversaire, c'est pas un Monster Munch. Non mais j'ai demandé ce que c'était. Ah, mais j'ai dit un gâteau apéro, mais pas un gâteau. Mais gâteau. Mais t'es perdu. Mais j'ai demandé à moi, mais c'est un gâteau apéro, frérot. J'ai fait un gâteau. Mais un Monster Munch, frère. Mais je sais pas ce que c'est, comme c'est pour ça dans mon pays. Dans son pays, ils appellent ça les monstres salés. Shyness. Mec, j'ai pas le temps. Les autres pourront décrire. C'est super dur. C'est digne de Caribou, ça. Ok, je sais que c'est Marina qui a fait ça. Comment tu veux que je reproduise ça? Tu fais ça pour m'humilier, c'est ça? Oui, mon dessin est magnifique. Il a même fait un truc dans les lunettes et tout, c'est vrai que c'est un plaisir. Mais non, oh Marina, oh, ouais, je suis bonique. Oh. Marina, elle a fait une dinguerie, j'ai fait ça. Ah, il a l'œil vide. Marina, 100%, là, ça peut être graphique. Ah, c'était ça, cette merde.
Gangiflou, c'est tellement un bon pseudo parce que là je vois clairement flou. Tu m'étonnes que j'ai reconnu le dessin de Marina, regarde la dinguerie qu'elle a fait sur Gartic Phone. Je vois flou, je me casse. En fait, j'ai pas d'amis donc je reviens. Oh, va bien. T'as plus de copines plutôt. Je m'en bats les couilles. Vas-y, vas-y. Non. C'est parti. Ah, oh, c'est du Valentin, moi, tout craché. Alors moi, c'est 100% du David. Mais tu veux que je dessine ça comment? Bah moi, j'ai un D pour commencer. C'est moi. comment je suis censé le dessiner en train de grailler ses ancêtres? Putain. Oh, et puis, merde. Ah, moi, mais... Putain. Ah, connard de perfectionniste que je suis, là. Attends, allez, un petit bout d'ancêtre ici. Allez, et on est bon. Allez, on se dépêche. Allez, j'ai encore un peu le temps, vite fait. Allez, on peaufine ses vœux. Voilà. Albert Einstein qui joue à la PS4. Non, ça aussi, c'est du David. Ah, c'était l'un ou l'autre, en fait. Allez, on se dépêche, tac. La fameuse photo d'Einstein qui tire la langue, hein, voilà. Hein, ah, la moustache d'Einstein, voyons. Ah, mais putain, mais j'ai pas le temps, du coup. Ça va trop vite, là, laissez un peu plus de temps, merde. Allez, voilà, L1, L2, R2, R2. Voilà, à quoi il joue? À quoi il joue, Albert Einstein? Il joue un vrai FPS. Call of. Je sens que ça va être... Celui-là va être rocambolesque. Voilà. Je savais que c'était toi, je savais. T'as pas un vrai passement de jambe au final. Oh, c'était le Dalai Lama. Un macaque qui joue. Pourquoi le Dalai Lama est devenu un macaque? L'album de Winter. Bah y'a pas de corps, y'a plus d'efforts. J'ai pas pu le faire en entier, j'ai galéré. Oh, il est bien fait. Tellement distinctif. Album de moi. Les heures les plus sombres de l'histoire. Oh, le Dark Sasuke. Qu'est-ce que... Ah. Oui, c'est pas bon. Cassé la tête. Oh, mais non. Oh, quel gâchis. Mais j'ai rattrapé le truc. J'ai fait un gouffre. Oh, la personne. Watch en fond. Watch mouche en fond. Qui graisse ses ordres. Mais comment t'écris? C'est du poulet dans cette... Désolé, je l'ai souillé. On dirait pas Shrek en... C'est quoi son bras? On dirait une trompe. Si tu rognes l'image, juste histoire d'enlever le KFC, pour moi, il bouffe sa merde. Il a tapé son meilleur cake, il l'a graille cash. Attends, on dirait pas son bras, il a chié directement la merde. Son bras, c'est une pompe à merde. Manger ce que tu chies, ça revient à écrire Google sur Google. Quoi? C'est cool, l'animation. Allez, animation, c'est parti. Allez, c'est parti pour un dessin animé. Tu sais quoi? Allez, on va faire des stickman avec un vrai Glock. Bon, j'espère que les autres ils vont réussir à poursuivre ce dessin. Simple comme ça, avec des stickman, il y a moyen qu'ils arrivent à l'animer pas trop difficilement en vrai. Oh mais attends, Marina, ton personnage d'animé là, mais qu'est-ce que tu veux qu'on anime ça? Mais il est bien fait, Allez, je peux prendre la relève de Marina, je peux prendre la relève. Attends, on va lui faire faire une gueule trop bizarre, genre il se métamorphose. Ah c'est vrai que ça peut être marrant ce mode là. Allez, on peut essayer, faudrait que ce soit David qui tombe dessus après. Et ouais, ça va, en vrai ça va, y'a moyen de faire un truc avec, ouais. Est-ce que vous êtes prêts de constater les images? J'ai peur du glow down là. Mais d'abord une page de pub, YouTube. Pourquoi t'es un mauvais? Pourquoi j'ai pas dessiné ça une seule seconde? Non, t'as tout. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai rattrapé le coup. C'est une image biblique. C'est la Bible. Ah non, c'est le roi lion. Mais attends, mais comment on est passé d'un joueur de foot au roi lion? Je l'ai trop bien enchaîné ce truc. Ah c'est toi, ok. Ok, il y a un retournement de situation, mon personnage, je suis choqué. Bah, Caribou, là, regarde, il a fait la même chose. Si, j'ai envie de le fumer. Ah. The end. Ah. The end. Je sais ce que je vais faire. Allez, tac. Tac, voilà, c'est une boule qui roule vite. On va dessiner Indiana Jones. Ah oui, voilà, là, on a un effet de spirale, d'accélération. Ouais. J'espère qu'il va salement se faire écraser à la fin. Ce serait marrant. Qu'est-ce que c'est? Il y a un gunfight. En perspective, c'est moi qui ai commencé ce truc.
Vas-y, je vais faire honneur, Ok, ok, les gars, je vais faire honneur. Putain, merde, j'ai perdu du temps à glousser comme un connard, là. Ah, putain. Eh, vas-y. Oh, la flemme, allez, c'est bon. Toi, tu restes là. Toi, tu t'es... Et toi, tu t'es pris une grosse balle. Allez, clac. Allez, on va faire v'là le sang, voilà. Mais je fais juste un début de sang pour que le mec d'après, s'il est pas trop nul, comprenne qu'il faut le faire suivre. Le gars du gunfight qui va suivre, là. Vraiment, gère, s'il te plaît. Fais la continuité logique. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Ah oui. Ok, là, on a tout donné. Allez, let's go. On commence par le CQB. Ah, sans CQB. Ah, pas mal. C'est trop cool. Fight en perspective. Ah, ah, moi je voulais qu'il s'en sorte lui justement. Non. Oh non. Le bien vaincra. Ah, ça revient. Oh oui, oh Marina, j'ai giré ton délire. C'était toi. Merde. Marina, j'ai giré ton délire. Moi je connais la fin. C'est devenu un super saiyan. Ah là, il est pas mal, il est handicapé là. Oh non, oh là, t'aurais dû le faire encore plus gros vraiment. Oh la mort cérébrale. Ah putain, c'était tellement mignon à la base. Ouais, oui, c'était Sailor Moon, d'où vous faites des Pokémon à la fin. Attends, son Karibou, qu'est-ce que t'as fait? Ah oui, c'était celui acheté. Oh, j'en étais sûr que c'était toi, je sais pas pourquoi t'as fait ça. Il appelle quelqu'un. Ah oui, Kellerman. On sait pas qui. Quoi? Mais pourquoi tout le monde meurt? Il se fait buter. Il a rien demandé, il s'est fait buter. Ah oui, c'est ça. Don't cross. Ah, c'est la suite logique, quoi. Je compte sur vous, vraiment. Ouais, bien. Je suis désolé, mais il se fait rouler dessus. C'est bien. Oui, il grandit. Mais non. Oh, c'est trop bien. Ah, c'est magnifique. Ok, vous avez tous géré. Lance la pierre, vraiment littéralement. Caribou, il comprend bien, il fait le truc voilà qui suit. Marina, écrasé. Mais là, David, trop d'inspi. Et Valentin qui le fait chanter. Non mais, quand j'ai dessiné cette pierre, pour moi, elle n'était rien d'autre qu'une pierre. Mais moi, j'avais compris le truc que c'était la boule d'Indiana Jones qu'il avait mal fini, genre. Ah, et je sais pas, je voulais faire un plot twist en mode, en fait, c'était un poussin depuis le début, genre. C'est quoi ça? Attends, quoi, c'est quelqu'un qui savonne pendant que on va mener l'affaire jusqu'au bout, hein, écoutez. Attends, non. On commence par Stroflex. Quoi? Il boit du fresh squeeze. Ah, il boit du fresh squeeze. Et bah, moi, voilà, il fait une intoxication en fait. Ah mais d'accord, moi j'ai rien compris, ça a rien à voir mon truc. Qu'est-ce qu'il fait? Non. Ni queue ni tête cette histoire. Moi je m'attendais à ce qu'il se transforme en super saiyan avec ça. En fait il boit, il est devenu malade, il fait tomber la canette par terre. Il veut la ramasser, mais il y a quelqu'un qui veut lui faire du sale. Mais vu qu'il a des convictions, il dit non. Moi ça a trop bien fait. Non, le viol c'est mal. Et maintenant au tour de Caribbean Dandy. Eh, vous êtes des bâtards, celui qui l'ont enchaîné comme ça ensuite. Pour ma défense, y a pas de corrélation avec quiconque ici, c'est vraiment pas fait pour... Non, y a pas de... Pourquoi? Il se venge. Même là, il se prend une... Mais ça n'a aucun sens, putain. Même là, il se fait buter. Okay. Let's go. Bon, alors pour celui-là, je vais leur tendre la perche avec un immeuble et un mec qui s'apprête à sauter de l'immeuble, hein, tout bêtement. Ah, je suis curieux de voir les dingueries qui vont inventer entre temps. Ah, quel coup. Ah, putain, chiant de refaire un... Putain, mais comment je peux repartir exactement sur... Bon, c'est trop dur, vas-y. Comme retournement de situation. Oh, je vais faire Gus Fring, la scène où il... Oui, je sais ce que je vais faire. En plus, il connaît bien Breaking Bad, il va capter. Ouais, faut pas qu'on ait l'impression qu'il lève les mains, c'est plus de la défiance, quoi. Bon, admettons, on verra ce que le prochain fait, hein. Pourquoi il y a... chaque fois que je vois un dessin, c'est toujours de la violence extrême. Est-ce qu'on tente pas un running gag de toujours dire non? Non, allez, vas-y, je vois que c'est une vieille crêpe, ce coup-là. La voiture, non, ils l'ont pas fait droite de base, alors... Voilà, là, il y a moyen de faire un gif sympa, là. C'est un mec qui a un katana. Mais c'est toi. Oh, la violence. Non. Non, c'était... Mais chaque fois, il dit non. Non. Le poker face qui fait l'autre.
Alors, running gag, putain. Il aurait fallu mettre le sol en fait. Oh, elle était trop chouette. Oh, c'est les zombies de le Gary, je sais pas quoi là, c'est quoi. Qu'est-ce que. Bah, il saute, il est heureux quoi. Oh, c'est unique. Bah, il dort. C'est un mec qui dort au volant, ah oui, j'avais pas vu. C'est sérieux. Ok, c'est très drôle. Ok, ça passe. Oh, elle est parfaite. Ah, ça me tue. Ok, ce running gag me tue. Ça se finit au glock. Il y a tout qui se finit au glock. Il y a tout, toujours tout qui se finit au glock. C'est un bordel. Oh, j'ai pas parlé, non, j'ai fait vas-y, ça va, ça bloque partout. Qu'est-ce qu'il nous a pondu, Théo? Moi, je vous ai tendu, je vous ai tendu la perche. Vous en faites mais ce que vous trop, voulez. Trop chou ton personnage. c'est un peu un symbole pas bien. Oui. En fait, tout va bien, mais pas trop. Genre. Alors... je le sentais venir. Bah pourquoi? Oh, elle est trop bien aussi. Ah, vous avez géré. Comme dans Among Us. Je voulais faire un truc à la Among Us. Le Glock est la solution à tout. Je vous ai tendu la perche, moi aussi. Voilà ce que j'ai fait. Gustavo Fring. Bien vu la scène. Oh, il sort le Glock, ça commence mal. Oh non, il s'est fait. Il y a pas de suspense finalement. Ouais, pour une fois. Il est projeté. Pas. Pour une fois, juste il se fait juste fermer sa gueule. Pour une fois. Pourquoi il y a toujours un Glock à chaque animation? S'ils vont faire la conclusion que je pense, c'est des génies. Tac. Ça tend suffisamment la perche, je pense. Oh, la perspective, oh, David. Alors là, je partirais bien sur genre le personnage qui essaye d'avaler la balle. Ouais, là c'est à peu près bon. Ok. Allez, si le prochain lui fait avaler la balle, c'est un génie. C'est quoi ça? Ok, alors là, on a l'air d'être sur un accouchement en fait là. Clairement, c'est un accouchement ça. Ok, je poursuis le truc comme ça. Attention, il va donner vie à un instrument. On va lui faire une vraie tête à ce bébé. C'est le logo du Finder. Ah oui, attendez, des petits étirements là, de la matière là. Ok, Marina. Oh, c'est... Oh, magnifique. Oh, il dit un biscuit. Mais non. Solution à tout. C'est la solution. Et c'est un petit comment l'enfant il devient biscuit. Il a des rides un peu l'enfant là. Genre. Ça se voit, il galère à sortir, il est étiré l'enfant. Bon là, oh, je suis curieux là. Oh non. Ça se finit comme ça. Ça se finit. Non, 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 mais ça non. Se finit pas comme ça. Parce qu'en fait. Mais non. Moi, c'est pas ça que je voulais. Oh, les meubles, ils sautent. C'est trop drôle. L'immeuble, il a okay. Esquivé. Alors, il n'y a pas eu de génie que j'avais escompté parce que j'espérais que quelqu'un fasse en sorte que la tour prenne un flingue et tire sur l'avion. Voilà. Ah j'avais pensé à ça, ça aurait été très drôle que la tour flingue l'avion. Alors, c'est ah, pas mal ça, la perspective. Ah bien vu. L'animation va être folle. Je pensais qu'il allait la manger. Quoi? Pas de différence. T'as refait la même chose qu'Aribouche. Non, j'ai rapproché. Ok, c'est du génie. Ok, c'est. Oh, du génie. Oh, il est choqué là. Il est choqué en mode. Hein? Da fuck. C'est incroyable. Genre, la balle elle tire. La balle elle sort son glock. Pour une fois que je voulais faire survivre le stickman, il se mange.